émission, aujourd'hui, on vous propose d'intégrer un pas de solo jazz, les Alléluia, dans votre ligne d'hip. Donc d'abord, en solo, le Alléluia, c'est ce mouvement-là. Ha, ha, ha. Donc on se balance d'avant en arrière, en déplaçant notre bassin, mais nos pieds restent au sol. Et on vous montre deux manières de guider ce mouvement ou de le suivre dans le ligne d'hip. Première manière, on va partir côte à côte, et moi je vais guider. Rock, step, et en Alléluia. Ici, je vais guider un deuxième Alléluia alors, mais mon bras droit va rentrer vers moi et ce sera la préparation d'un tour. Et je laisse l'or sortir. Ici. Donc le rythme pour les leaders. 1, 1, lent, lent, vite, vite. Et j'arrive, on appuie sur ma jambe droite. Pour les followers, là, ce qui va compter, c'est l'appui de ma cage thoracique ici dans le bras de mon leader sur la préparation. 1, 1, lent. Lent, et là en fait, je presse ici dans le bras de mon leader avec ma cage thoracique pour faire le tour. Deuxième moment où on intègre des Alléluia dans notre danse, depuis un retour d'un changement de place, on est en prise croisée, main droite leader et main droite follow. Et on va faire rock, step, lent, lent. Ici, je peux faire autant d'Alléluia que je veux. Lorsque je reviens sur ma jambe gauche, c'est le moment où je vais guider un tour à l'heure. Pour cette sortie, moi, je vais garder mes Alléluia, si on vous la remontre sans s'interrompre. 1, 1, lent, 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 lent. Et du coup, j'arrive sur ma jambe droite. Pour les follow, du coup, c'est pareil, c'est le moment où on voit le feeder, si on reprend du début. Ha, ha, ha. Ah, on est dans les Alléluia, et ensuite, votre feeder va vous indiquer le tour avec sa main. Là, vous vous appuyez dans cette main ici pour tourner. Vite, vite, vite pour les follow, on fait trois marches pour revenir face à la leader. Ce qui veut dire que les leaders, il faut que vous guidiez cette accélération. Et là, ça va passer par ce qu'expliquait Laure, c'est-à-dire la compression entre la paume de ma main et le tranchant de la main de ma partenaire. Si on enchaîne ces deux moments avec des comptes, on part côte à côte. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et ici, sur la musique, moi je vais faire un Shorty George, 4 marches. Moi je vais faire des Applejack. 1, 2, 3, 4, et on est revenu en couple. Voilà pour ces tips. Bonne pratique!